Mesdames la société, c'est civilacaïti.com. Nous comptons rentrer la caillou aujourd'hui, c'est samedi et 19 octobre 2024. Nous portons un bulletin d'information. Nous rentrons directement et dans l'information. Nous avons fait un coup de patte dans Solino. Et pourquoi nous parlons là, Solino? Eh bien, il a dégénéré. Vivre sans perdre 5 soldats. Eh bien, gagner et en pile réel, gagner plusieurs autres monde qui prend balle. Innocent, victime, coupable, victime. Je dis là, nous ne connaissons pas ce qui s'est passé entre vivre ensemble avec Nek Solino. Mais son bataille qui n'est pas fini. Même sous temps d'état, il y a la paix, c'est la paix pépé. Parce que Nek Saro pas jamais fait la paix, vous pas jamais baisser les bras. Il dit c'est un qui toujours a vu. Et je dis là, vivre ensemble, nous avons attaqué Solino. Il faut que nous te disions, mesdames et messieurs, c'est réel, c'est Makourel. Parce qu'il y a un pile monde qui prend balle. Et gagné pour petit 5 soldats barbecue. Et bien, qui ont même pris un bois calé dans le cadre de la bataille qui a gagné entre Solino et puis Vivre Ensemble, nous avons invité au gain de taille. Ancien sénateur Guy Philippe passé à l'action, et bien, et bataille a changé phase, je dis à la 6 âmes à la mêlée, haïtienne, levé campé, et tout ça nous gagne qui est capable de déchouquer le monde, et bien, prenez, parce que bataille là, pas une question dialogue encore, pas une question pacifique encore. Donc, je dis à la 6 âmes liées. Sénateur Guy Philippe s'est monté, et bien, mesdames et messieurs, faut qu'il joigne résultat, faut qu'il fasse victoire quand même, sous pouvoir ça qu'il a, un pouvoir irresponsable, et bien, qui pas qu'il de la vie monde, qui a pas massacré en bas mes bandits à gauche à droite. Et je dis à la, nous, un pile monde qui ont même déjà, ben, à bord, et dans canotte, ou bien dans bâtiment, et Guy Philippe là, lui-même, qui a franchi, mesdames et messieurs, et bien, vers l'avant pour Haïti, lui-même capable, prend l'autre direction, et nous allons inviter au côté, et pour que plus de détails concernant ben ça qui passe en dans Solino et c'est réel Kaima Corel parce que bagarre la grave mesdames et messieurs nous jol tout toc en écouter pour plus de détails bon écoute tout le monde TV la haiti.com n'a tourné qu'en un moment ça bagarre extrêmement grave faut pas dire bagarre plus que dégénéré et à l'instant même dans moment ça qui n'a parlé là côté que nous apprenons, monsieur Vivant Samuel là qui prend direction Solino mesdames messieurs c'est par des cartouches nous t'a en pile tiré et qui t'a gagné plusieurs zones même qui côté nous t'a des gain diffé bagarre très très grave évidemment nous pas venir avec plus détails pour vous mais au-delà de ça mesdames messieurs nous tout nous t'a attendre Guy Philippe un peu plus tôt dans cadre réaction parle vous savez ce qu'on a quel niveau Haïti prend un complot là dans quel niveau danger par rapport que je dis là et bien faut nous même nous prendre destin nous en main Haïti fait face à un danger qui est extrêmement grave pour nous perdre souveraineté nous est-ce qu'on t'a causer c'est sérieux chargé pour nous balle de bac là nous on a parlé là en plus coup de balle capturé là donc Solino côté même nous sommes sortis puis on prend lui et puis tout bien pour nous balle de bac là pour capable résoudre crise insécurité qui vient là. Et nous, on est entré là, il y a 6 soldats d'armée pour nous gommer, 6 soldats seulement. Nous sommes là pour nous donner des informations et formations pour. Donc, nous entendons déjà, je vais attirer attention à nous, d'un gros scandale qui est éclaté entre la police avec M. Vivant Samuel, soudainement. Et là, nous avons un point qui est extrêmement décisif. Et si. Et il veut prendre Solino parce que reste mon soudain Mario a je vous pose une question pile question donc nous pensons que nous avons des chances avec Amalik et président Jimmy pour nous détailler tout ça bien en termes d'actualité et dans la journée. Eh bien et vous savez qui nous parle avant parce que nous banons leur juste. Monsieur, on allait directement et Richardson, c'est quand même très grave, mesdames, monsieur, ça qui a passé là. Bon, c'est quand même une inquiétude parce que bagaille plus que grave et par rapport à Solino, SOS a lancé à tous les niveaux. C'est très, très grave et ça qui a passé là, frère Pam. Oui, effectivement, Jimmy, il y a SOS qui a lancé là. Nous devons faire la police, Jimmy, j'ai mis beaucoup de temps pour vous. Ça fait environ 2 jours là depuis que nous avons décidé de prendre. Solino. Mais à ce moment-là, bah, la guerre est venue plus dégénérée, plus grave, parce qu'il y a plus de détermination de mon côté de l'exercice. Faut que nous prenions. Nous, même après, quelques zones, nous avons bien temps pour là, et marcher pour la suite, car arriver, m'a mis tant côté Solino, exactement.
tellement de ça, dédoublé à ce là. Ça vient de passer, c'est un renfort qui est derrière au demandé. Il y a pas de temps opération attaqué sur Solino, il y a 5 personnes qui ont perdu la vie, sans compter quelques personnes qui sont tombées dans Solino. On a un nègre qui vient de renfort. Mais ils ont un renfort dans le ça vous fait, ils montent en camionnette. Pendant qu'ils sont sur la zone, ils vont compter qui ont passé tout droit, parce que c'est une loi qui est censée les nègres qui sont dans le bloc. 400 marozo, et puis dans le bloc vite l'homme qui ont été renfort, dans le bloc de Kempes, pour être capable, jeune monde qui peut attaquer Solino, puis bien. Mais là, ils arrivent dans le bloc. Nous avons besoin d'armes pour une bataille. Oui, nous avons besoin d'armes. Peuple a besoin d'armes. Pays a besoin d'armes parce que nous en face, on danger cap menacer souveraineté nous, cap menacer la vie de nous, petit petit nous, cap menacer Haïti. Donc oui, le pays en danger, la nation en danger. Nous même peuple haïtien faut qu'on ait jodi là, c'est en guerre nous, nous en guerre contre un système. Donc nous besoin tout moyen pour une bataille avec système là. Donc, est-ce que ça veut dire, nous avons dit, la chaîne phase, nous quittons ça, bon, question pacifique là, nous rendons compte que là, il n'y a pas de résultat. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'autre étape qu'on peut aller, on a l'autre stratégie, on a l'autre niveau? Claire Sous-Sordia, nous besoin d'âme pour une bataille. Oui, nous besoin d'âme. Peuple a besoin d'âme. Pays a besoin d'âme parce que nous, en face, on danger cap menacer souveraineté nous, cap menacer la vie de nous, petit nous, cap menacer Haïti. Donc, oui. Le pays en danger, la nation en danger, nous-mêmes, peuple haïtien, faut qu'on ait aujourd'hui là, c'est en guerre nous, nous en guerre contre un système. Donc nous besoin de tout moyen pour nous battre avec le système. Donc, est-ce que ça veut dire, nous avons dit la chaîne phase, nous quittons ça, bon, question pacifique là, nous rendons compte que là, il n'y a pas de résultat. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'autre étape qu'on peut aller, on a l'autre stratégie, on a l'autre niveau? Tel fort, ça me dit à lui expliquer. Nous besoin. Aide. Nous besoin ZAM, nous besoin cellule sécurité, nous besoin policiers sérieux, militaires sérieux, BESAP, peuple haïtien, tout le monde, tout citoyen, pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire un fond commun, pour nous faire résistance à ce système là. C'est pas ça. Sénateur, les États-Unis tout partout. Pas plein, nous n'avons pas qu'à manger la caille. Pas plein, nous n'avons pas qu'à vaquer à l'occupation. Nous n'avons pas qu'à sortir dans le sud, dans le nord, dans le plateau central, pour nous descendre au prince. Nous n'avons pas perdu territoire après territoire. Pas plein. Parce que vous suivez, nous sommes en danger. Il faut mettre tête nous ensemble. Il faut que nous combattions les dangers. Sénateur, alors, je me pose des questions comme ça. Mesdames, je connais, est-ce que vous n'êtes pas nous, vous n'êtes pas frein, vous n'êtes pas équipe là. Est-ce que vous avez un travail qui a fait pour nous rallier, dis-moi. Pour nous rallier policiers dans le grand panneau, pour nous rallier et militaires dans le grand panneau, pour nous rallier de l'autre groupe dans le grand panneau. Est-ce qu'on travaille, qu'on fait, qu'on planification fait déjà? N'a pas essayé, m'a longtemps essayé, m'a pas appelé, oublié que l'été qu'on a un problème Venezuela, ou qu'on a un général Campbell dit lui-même a tout oublié, il est pour révolution. Ou qu'on a encore l'autre commandant Campbell dit lui-même a fait tout oublié, mais la police nationale jusqu'à présent a clamé d'Haïti, malgré tout appel, malgré tout jeune nous baroumène, nous dit venez d'aide, ça que bon, oui. Nous disons, venez des pays. Nous pouvons nous joindre. Et compagnie n'a pas cherché. Ploton n'a pas cherché. Donc, policiers, nous-mêmes qui conscients, nous-mêmes qui ouais, j'en bagaille la dû, nous ouais, j'en basse-fini peuple, nous, et hier dans la rue, parce que vous voulez manifester, vous voulez réclamer, bagaille qui bon pour nous. Tandis que le peuple a un danger, l'abrélé nous, dans tabac, dans Solino, dans Delma 18, tout partout, nègre, autorité, pas voyez aucun nous l'aide. Moi, dis, venez joindre nous, venez joindre révolution. Nous pas perdu, peuple a veine, peuple a vle changement. C'est policiers pareil ou policiers ça yo acheté ou c'est vendu, c'est eux même qui empêchent le mouvement peuple à avancer, c'est eux qui empêchent